en Abidjan, on dit d'ailleurs de David Théaoukou que c'est une tête c'est quelqu'un qui a des notes ben voilà, qui touche quasiment euh, euh, voilà, au, au 20 sur 20 et quand c'est un petit peu moins vous n'êtes pas content euh, quelqu'un qui s'épanouit aussi au niveau sportif, qui aurait pu développer une carrière qui sait dans les taekwondo puisque des personnalités comme euh, le grand maître d'Inde, Bambachek Daniel, nous disent que ben voilà, il aurait pu continuer et inscrire son nom à, à côté de ceux des maîtres Arsène zirénion et autres et vous décidez de partir, vous le dites, du côté des États-Unis. Votre frère est déjà là-bas, à New York. Et dans cette nouvelle planète, on peut le dire, euh, vous savez déjà ce que vous devez devenir. Vous l'avez dit tout à l'heure, alors que New York, les États-Unis, c'est quand même cette espèce d'idéal fascinant, euh, les grandes avenues, les grandes voitures, enfin, the American dream. Et vous, vous avez une vie qui est quasiment pas austère, <laughs> mais on nous dit... Presque à 7. Oui. Alors, euh, le début aux États-Unis n'était pas facile. Ça, il faut le reconnaître. Euh, parce que je suis parti de mes propres moyens. Et donc, comme on le dit souvent, le terme euh, terre à terre en Côte d'Ivoire, il faut passer par le Jossi, <laughs> comme on dit. Voilà. Et c est, c est, cela a été fait. Mais en fait, il fallait toujours nourrir cette flamme-là et se poser la question de savoir pourquoi est-ce que. De traverser la mer pour arriver ici. Mmh. Voilà. Il peut y avoir un passage obligé, ouais. certes. La plupart des Ivoiriens sont soumis à ça, bon, en dehors de ceux qui arrivent avec les bourses et tout ça. Mais il ne faut pas s'écarter de son objectif. Mmh. Et ça, c'était très fort pour moi. Et donc, très rapidement, j'ai essayé de me mettre dans le contexte des études. Et bon, j'ai continué. Bon, C'est vrai qu'à un moment, j'ai été distrait par l'Expo. J'ai repris le Taekwondo. <laughs> Mais en fait, il euh, y, y a un choix à faire dans la vie. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai fait le choix d'embrasser de, mes études et puis de finir. Et en suivant le cursus tel que vous l'étiez fixé, après New York, ce sera la Georgie, ce sera Atlanta. Euh, on a parlé aussi de ce PhD en chimie, option biologie moléculaire et vous l'avez complété à la Clark Atlanta University, ça c'est toujours de ce côté-là. Euh, la grande aventure en ce qui concerne la génétique humaine qui va être au cœur de toute l'affaire, c'est euh, au niveau américain quelque chose de très établi. Euh, on parle de cette nation américaine comme celle finalement où on veut toujours atteindre cette fameuse New Frontier, et il faut être premier en tout. Vous qui arrivez d'Afrique, qui intégrez une université américaine, est-ce que vous avez ressenti un double challenge en se disant, ben moi, il faut que je fasse mieux qu'eux. Effectivement, euh, et je pense qu'être conscient de ça euh, est très important. Parce que vous arrivez aux États-Unis, vous êtes noir, vous ne parlez pas la langue, et vous cherchez à intégrer, à se dire, mais c'est normal, vous avez trouvé des gens là-bas. Mm -hmm. Alors, comment est-ce que vous faites pour être accepté mm -hmm. Et moi, j'ai dit toujours aux gens que je reçois, les étudiants qui arrivent, je dit bon, c'est pas compliqué. Hein. C'est une histoire de performance. Ouais. Vous êtes avec d'autres personnes que vous avez trouvées là, qui d'ailleurs peuvent être hostiles parce qu'ils se demandent mais ils viennent chercher quoi Ils mm -hmm. vont il prendre nos places et, ouais. et tout ça. Mais faut leur montrer que vous êtes à la limite euh, aussi intelligent que, mm -hmm. sinon plus intelligent que. Et donc euh, ce challenge d'être noir, de surmonter la barrière de la langue, de travailler doublement, euh, il est il est là, il, il est réel, mais il n'est pas impossible à surmonter. Mm -hmm. Voilà, il faut le vouloir et c'est à travers le travail. Le travail, toujours le travail, encore le travail. La dimension de la recherche, oui. D'être utile tout de suite et ce qui va d'ailleurs se traduire par une grande entrée, parce que lorsque l'on parle de la Emory University, University School de médecine, là, il y a vraiment. Vous touchez du doigt ce pourquoi, en tout cas, vous vouliez faire de la génétique. Euh, on parle de ces maladies qui touchent aussi les enfants, yeah. en particulier. Euh, et vous parlez avec beaucoup d'émotion, lorsqu'on a préparé cette émission, de cette étape. Et d'ailleurs, Emory University, c'est quasiment votre seconde maison. Mmh. Euh, vous dites que là-bas, tout a été clair. Finalement, et vous avez su pourquoi vous deviez faire finalement cette traversée. Oui, euh, quand j'ai commencé à Emory, il euh, y avait pas mal de questions. Mm -hmm. euh, alors, euh, il fallait résoudre un problème particulier qu'on avait dans le domaine de la génétique, qui était la préparation des échantillons. Bon, le projet sur lequel j'ai commencé euh, était un très bon projet, c'était l'autisme euh, au niveau des enfants. Et quand il s'agit des enfants, ce qui est intéressant, c'est qu'en génétique, le phare génétique est facile à sortir parce qu'il n'y a pas encore l'effet de l'environnement, puisqu'ils sont encore petits. On va dire qu'ils sont, sont encore neufs, le corps est encore neuf. Exactement. Donc, euh, il fallait répondre à la question, mais la méthode à utiliser, elle était un peu complexe. Ouais. Et en cherchant à répondre à la question, il fallait que je puisse résoudre ce problème de méthode. Mm -hmm. Et il y avait d'ailleurs un challenge avec mon maître qui disait Mais écoute, si tu as une meilleure idée, bon, tu, je, je suis ouvert. Hein? Parce que ce qu'il proposait, mais de moyens de faire à peu près 600 PCR, c'est une, une méthode qu'on utilise. Je lui ai dit, moi, je ne suis pas venu aux États-Unis. Si vous passez à Université Université pour pour faire des PC, hein? bon, si vous avez quelque chose, bon, on va avec. Et c'est comme ça, à travers la réflexion, avec euh, sa bénédiction et son réseau, j'ai pu développer une méthode qui est utilisée partout aujourd'hui et qui m'a permis de facilement avancer et de pouvoir sortir certaines informations. Alors vous le dites justement presque en baissant la voix avec beaucoup d'humilité alors qu'on veut vous entendre le dire, vous avez développé une méthode, c'est-à-dire que quelque part, vous avez vous aussi contribué à faire avancer les choses. Euh, dans la recherche, il est question de livrer des travaux, euh, il est question aussi d'apporter sa pierre à l'édifice. Les choses vont très très vite parce que vous vous retrouvez entouré de plusieurs personnes en blouse blanche, il y a presque quelque chose de, de, de ludique, mais en même temps, vous vous inscrivez dans... Une affirmation de ce qu'un euh, Africain peut aussi faire. Est-ce que vous y pensiez en disant, vous, euh, amis d'Amérique et d'ailleurs, je vais vous montrer que nous aussi, finalement, on a des skilled people, on a des gens tout aussi intelligents euh, C'est vrai que l'esprit compétitif euh, euh, était là. Bon, ça, c'est depuis le Taekwondo. Mm -hmm. euh, donc, il y avait quelque chose à prouver aux autres. Parce que c'est vrai qu'étant noir, il y a aussi. Des, des réalités du côté social auquel on ouais. est confronté. Mmh. Hein, voilà. est, le noir n'est pas toujours accepté par euh, tout mmh. où il va. Mais euh, il y a aussi la possibilité de s'affirmer. La possibilité de s'affirmer. Donc, euh, je n'étais pas dans le but de développer quelque chose pour la communauté scientifique qui cherchait à répondre à une question mmh. et étant paresseux à trouver une meilleure méthode pour travailler, mmh. et c'est ce qui aboutit à quelque chose de, de très bien. Et dans la communauté scientifique, quand il y a une information comme ça, il faut la partager, mmh. il faut euh, essayer d'enseigner soit à travers les livres ou d'autres méthodes. Et après cela, bon, j'ai contribué mmh. euh, aux connaissances à travers un livre justement pour partager avec la communauté scientifique ce qui a été fait. Ce travail en équipe, évidemment, vous le menez encore ici. On a parlé de votre travail au sein de, de, de la clinique Saint-Georges, qui est un petit peu ce fief d'excellence. Ce n'est pas également d'autres soignants, d'autres blouses blanches éminentes, mmh. notamment en ce qui concerne justement le secteur de l'ORL, comme Baselitea qui va dire le contraire. Ça se fait également au niveau de l'université d'Abidjan. On parle de, 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 de ce qui est de l'Institut national. Euh, ce travail et cette gathering forces, comme on dit, mentalité, c'est-à-dire de mettre les choses ensemble, c'est peut-être aussi un autre des aspects de la, de la recherche qui, qui vous plaît, mutualiser les idées, les compétences à l'échelle du continent africain, on en parlera plus précisément tout à l'heure. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses sont au niveau où elles devraient être, c'est-à-dire qu'un ivoirien, mmh. un camerounais, un sud-africain euh, se mettent ensemble euh, Pas vraiment, mmh. pas vraiment. Il y a des poches, des poches. J'ai des collègues qui sont au Cameroun, euh, en Afrique du Sud, euh, mais nous ne sommes pas là où nous devrions être, mm -hmm. euh, pour plusieurs raisons. Euh, parce que d'abord, euh, nous sommes euh, des êtres particuliers, je parle des Africains, mm -hmm. par rapport au reste du monde. Mm -hmm. Alors, en génétique, on s'accorde sur le fait que les êtres humains modernes sont originaires d'Afrique. Oui, ça c'est clair. Mm -hmm. Alors, l'autre partie, c'est que en tant qu'Africains, nous avons ce qu'on appelle la diversité génétique la plus élevée. Mm -hmm. et ça veut dire que nous avons beaucoup de scénarios biologiques ouais. que les autres n'ont pas et qui n'ont peut-être jamais vu. Mm -hmm. Mais ces scénarios-là n'ont pas encore été recensés. Alors que ce sont des scénarios qui peuvent contribuer à mieux soigner les Africains. Alors, comment est-ce qu'on les ressort pour une meilleure prise en charge c'est la grande question. C'est ça la grande question. Et la grande euh, bataille, on peut dire Et une très grande bataille parce que il faut déjà euh, euh, un transfert de compétences. Mm -hmm. euh, il faut l'expertise sur place. Alors, j'avoue que je suis en Côte d'Ivoire. J'aimerais bien voir des collègues qui ont la même formation que moi, mm -hmm. et qui peuvent discuter à mon niveau de tout ce que j'ai fait et tout, et je n'en ai pas encore trouvé.